Good morning! Allez, il y a des titres aujourd'hui. Les Lunishmat Avraham Mordechai Ben Yisraël Vefani Dvora Bat Esther et Bracha Bat Binyamin. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sekhet Yvamot Parikh Yud Alef, Mishnah Dalet. Haïcha Shinit Arev Vlada Bivlad Kalata. Igdilu Ata Rovot Venasu Nashim Vametu. Bnei Akala Cholzin Velomi Abmin. Shu Safek Eshet Achiv. Safek Eshet Achi Aviv. Ou Bnei Azkena O Cholzin. O Miyabemin. Je vous savais que j'étais arrivé, mais j'étais ben arrivé. Mais tout à l'heure, je suis venu à ta revot, l'ivnei azkeina, holtin velo meya bemin. Je vous savais que j'étais arrivé, mais j'étais arrivé à vie. On venait à Kala, et chad cholez, le chad meya bemin. On continue la Mishnah, le sujet des sfekot. On a un perek entier avec plein de sfekot, d'enfants qui se sont mélangés, avec à présent une configuration spéciale. C'est que Aïcha Shintare Vlada Bivlad Kalata, il y a eu une femme qui est partie accoucher. Elle était toute contente d'avoir les contractions en même temps que sa belle-fille. Elles se sont retrouvées ensemble dans la chambre d'hôtel, dans la chambre d'hôpital. Elles ont tenté d'accoucher deux garçons, mais le problème c'est que quoi? On ne sait plus qui est le fils de qui. La grande joie c'est devenu la grande zut, si on peut dire. Pourquoi? Parce que maintenant, ça va faire un grand, grand, grand problème. Bon, on se retrouve maintenant, on a maintenant, il y a donc la, comment on va les appeler? La belle-mère et la belle-fille. Elles ont eu chacun leur garçon. Maintenant, ils sont mélangés, on ne sait pas qui est le fils de qui. Alors regardez la configuration. On va d'abord bien insister sur la configuration, la problématique et les solutions. D'accord? Il y a, maintenant, bon, on va sortir de l'hôpital, on va en donner un à chacun, on va essayer d'estimer plus ou moins qui est le fils de qui. Mais on est assez limité, et donc chacune va en élever un, en supposant que peut-être qu'on est en train d'élever son petit-fils ou son beau-frère. Vous avez compris? D'accord? Soit c'est le fils de chacun, ou soit elles les ont inversées, donc la grand-mère est en train d'élever son petit-fils, et sa belle-fille est en train d'élever son beau-frère, parce que c'est en fait le frère de son mari. Ça maintenant, ça va nous poser ensuite quelques difficultés lorsqu'ils vont mourir pour le hiboum. Soit eux, ou soit les autres frères naturels, enfin les pseudo-frères en tout cas, qui de la grand-mère et du petit-fils. Que quoi? Que... Alors là maintenant, voilà, ça c'est le cas. Maintenant, deux halakhot importantes à connaître. Par rapport dans les interdits de les relations d'inceste, alors je n'ai pas le droit de me marier avec la femme de mon oncle, c'est-à-dire la femme du frère de mon père. C'est un cas d'inceste. Tandis que mon oncle a le droit de se marier avec ma femme. Si je suis en divorce, mon oncle a le droit de se marier avec ma femme. Mon père n'a pas le droit de se marier avec ma femme. C'est tabou. C'est interdit même si on divorce, même si l'enfant y meurt, même si. Mais par contre, l'oncle, alors là on se retrouve avec une situation spéciale. Que moi, j'ai pas le droit de prendre la femme de mon oncle, mais mon oncle a le droit de prendre ma femme. Selon ce principe, ça va influencer énormément dans notre halakha, dans notre cas du petit-fils qui s'est mélangé avec le fils. On ne sait pas qui est qui, donc dans le doute on va être marmire surtout. Et en fait, lorsqu'on va se retrouver dans une situation de yiboum, alors, les petits-enfants, en fait, imaginez que cette femme-là, la belle-fille, elle a eu d'autres garçons. Imaginez donc, le cas, vous imaginez bien, qu'on va parler qu'il y a eu entre les deux qui sont morts, en même temps, chacun avait une femme, et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces femmes? Regardez la problématique. Les autres petits-enfants, les autres enfants de la belle-fille, ne pourront en aucun cas faire le yiboum aux femmes d'aucune d'entre eux, parce que dans le doute, c'est chacune des femmes, elle est peut-être la femme de son oncle, la femme du frère de son père, parce que peut-être qu'en réalité, et donc comment il va faire le hiboum? Peut-être qu'il s'est trompé, il est parti prendre la femme du frère du père, et donc, c'est un cas d'inceste, ils devront nécessairement faire la khalitsa. En revanche, les enfants de la grand-mère, d'accord, eux, ils pourront faire le hiboum, c'est-à-dire, il faudra d'abord faire une khalitsa à l'une, et après ils pourront faire le hiboum à l'autre. Mais pourquoi ils pourront faire le hiboum? C'est très simple. Parce que de deux choses l'une. On parle d'une femme qui a de toute façon fait la khalitsa avec le petit-fils. Ok? Une fois qu'elle aura fait la khalitsa avec le petit-fils, donc elle va dire, mais écoute, moi de deux choses l'une. Soit c'est la femme de mon frère, je fais le hiboum, soit ce n'est pas la femme de mon frère. Dans ce cas-là, c'est la femme de mon neveu, et elle a déjà eu la khalitsa, j'ai le droit de me marier avec elle. Ça c'est la configuration d'abord où eux-mêmes sont morts. Et inversement aussi, lorsqu'il va y avoir maintenant les autres frères, d'accord, que eux vont mourir et qu'ils n'auront pas d'enfants,
Eh bien, est-ce que eux pourront faire le hiboum? Alors on aura la même problématique. C'est-à-dire les enfants de la belle-fille, on pourra leur faire le hiboum dans le doute. Il faudra juste résoudre le problème de Khalissa, on fera le Khalissa à une et hiboum à l'autre. On pourra faire le hiboum, pourquoi? Pour la simple raison que il va nous dire de deux choses une. Soit c'est ma belle-sœur, soit c'est ma belle-sœur, soit c'est la femme de la soit c'est la femme de mon neveu, que j'ai le droit de la prendre. D'accord? Par contre, on ne pourra pas faire le hiboum à aucun verse. D'accord? J'ai un peu perdu le fil pendant que je parlais, mais en tout cas, c'est pas grave. On va faire tout dans les mots, vous allez tout trouver. Aïcha, j'ai une rêve, l'adab et l'ad kalata. Maintenant, on trace, on fait très vite la Mishnah, ça va être très simple. Aïcha, j'ai une rêve, l'adab et l'ad kalata. La femme qui a eu son fils, qui s'est mélangé avec le fils de sa kala. Igdil ou atarovet. Ensuite, les mélanges, les deux garçons ont grandi. Venasunashim, ils ont marié des femmes. Vametu, et ensuite ils sont morts. Alors, Bneakala, Choltsin Velomi Abemin, les enfants de la Kala, de la belle-fille, ils devront nécessairement faire la Khalissa et en aucun cas le Hiboum. Pourquoi? Chez ça fait Keshet ça fait Keshet vive. Parce que cette femme-là, on ne sait pas, est-ce qu'elle est la femme du frère, et donc elle a besoin de Hiboum, ou bien la femme du frère, ou du père, et dans ce cas-là, c'est très grave, c'est un inceste. Et par contre, Uvnei Azkena, les enfants de la Zkena, les enfants de la grand-mère, eux pourront, O Choltin, O Meyabnim, ils pourront faire soit la Khalitsa, soit le Hiboum, parce qu'il va nous dire, écoute, Shu Safek, Eshet Achiv, Eshet Ben Achiv, parce que de deux choses l'une, soit c'est la femme de mon frère, j'ai le droit de faire le Hiboum, ou soit c'est pas la femme de mon frère, dans ce cas-là, c'est la femme de mon neveu, et j'ai aussi le droit de me marier avec elle. Ok? Cas inverse, Metu Aksherim, maintenant, c'est les autres frères qu'on appelle Kshérim, c'est parce que les autres ils sont pas saouls, c'est ceux qui sont bien définis. On parle que c'est plus maintenant les enfants douteux qui sont morts, mais c'est les autres qui sont morts. Les autres, c'est-à-dire les frères. Alors qu'est-ce qu'on fera? Bnei Ador, alors, par rapport à Bnet Ata'arovot, Livnei Azkeina Choltsin Veloim, si toutefois c'est les enfants de la grand-mère qui sont morts, les enfants de la Tarovet, la Tarovet, c'est-à-dire les frères mélangés là, alors ils pourront faire la Khalitsa, mais sûrement pas le Hiboum, parce que lorsqu'il y en a un qui va vouloir faire le Hiboum, on va dire, peut-être que tu es le petit-fils, et dans ce cas-là, tu vas oser te marier avec ta tante, la femme de ton frère, interdit. Par contre, Shu, ça fait que Veshetachi vive, parce qu'on a un doute, est-ce que c'est la femme de son frère ou la femme du frère de son père? Par contre, ou Bnei Akala, si toutefois il y avait la belle-fille, elle avait encore un autre frère, un autre enfant, que lui, il est mort sans enfant. Alors dans ce cas-là, les deux, dans le doute, ils pourront marier la femme. Comment? Il faudra que Echad Choletz Echad Meyabem. L'un premier commencera par le faire la Khalitsa. Il va dire comme ça, de deux choses l'une. Soit c'est ma belle-sœur, et au lieu de faire le boum, je vais faire cette Khalitsa. Une fois que je vais faire Khalitsa maintenant, l'autre, donc il s'avère que c'est mon oncle, il pourra la prendre. Et au pire, c'était ma nièce, donc la Khalitsa que j'ai fait, ça sert à rien. Et dans ce cas-là, l'autre, c'est lui le frère naturel, et il pourra faire la mitzvah de Yiboum. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.